Oh, ladies and gentlemen, we are live. Bonjour, dickhead. Salut, les Français. Cet épisode va être majoritairement en français pour une fois. Donc, il y aura quand même peut-être un peu d'anglais. Et s'il y a de l'anglais, il y aura des sous-titres disponibles. Mais pas tout de suite, parce qu'on est en direct. Je ne peux pas faire des sous-titres tout de suite. Ils vont être disponibles jeudi 25 mars. Les sous-titres dans les paramètres, si vous regardez ça après le 25 mars. English speakers, this one's going to be mainly in French. There will be some English in there. But you can activate the subtitles starting on Thursday, March 25th. You'll be able to activate. So come back. If you don't speak French, then come back after Thursday, the 25th of March, and you can activate the subtitles in the settings. And with that said, ladies and gentlemen, please welcome to another episode of Paul Taylor's Happy Hour Live. Happy hour? I'm not fucking happy. I'm angry. I'm always fucking angry. Oh, mesdames et messieurs, bonsoir. On est lundi le 22 mars, il est 20h. Et comme tous les lundis à 20h, je suis ici au studio avec un guest pour boire une bière et parler avec vous. Et c'est tout, parce qu'on peut plus rien faire d'autre à part boire des bières et parler avec le public, vu que les salles sont fermées. So, ladies and gentlemen, aujourd'hui, j'ai une guest spéciale pour le show. Juste comme d'habitude, j'explique le principe. C'est une heure là, maintenant, sur YouTube, qui est gratuit. Il y a une deuxième partie à ce show-là. Et la deuxième partie est disponible exclusivement pour les gens qui me suivent sur patreon.com/Paul Taylor. En gros, Patreon, pour les Français, c'est un site web pour les artistes, pour gagner de l'argent, en fait, contre des trucs en plus que des trucs gratuits. C'est très mal expliqué, mais en gros, l'idée, c'est que vous pouvez soutenir cette chaîne YouTube et mon travail en payant des bières virtuelles et vous avez des trucs en retour. Par exemple, la deuxième partie de ce show-là. Donc, en fait, toutes les deuxièmes parties sont disponibles sur patreon.com/Paul Taylor. Vous m'achetez des bières virtuelles et puis ça se passe comme ça. Plus vous m'achetez des bières, plus il y a de contenu exclusif. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire avant de ramener la guest. Ladies and gentlemen, please welcome to the stage the wonderful, the exceptional Miss Tania Dutel. Ouais, ramène. Tiens, il y a le micro qui est juste là. Tu sais ce que j'ai pas fait? J'ai pas fait un sound check pour être sûr que les gens ils t'entendent et que. Parce que moi je parle. Jesus Christ, moi je parle beaucoup trop fort. Ouais, par rapport à toi. Je parle pas très fort, ouais. Mais du coup, je voulais juste vérifier le son. Je parle du coup pour que tu puisses voir le son, enfin écouter plutôt. Ouais, c'est parfait. Donc voilà, bah écoute, tu me dis si ça te va, si ça te va pas. S'il faut que je pousse la gueulante, je pousserai la gueulante. Que tu pousses, ça j'ai jamais entendu comme expression. T'as jamais entendu? Pousser la gueulante. Moi j'aime bien les expressions, ça veut dire je vais gueuler. Tu vas faire ah. Non mais même pousser la gueulante, je suis pas contente hein. Ah ouais. Ah oui, c'est que je me fâche. C'est parfait, le son il est parfait. Tania Dutel. Yep. Merci d'être là. Pour les gens qui connaissent pas qui tu es, parce qu'il y a des gens dans ma communauté, notamment ma mère. Je vais essayer de pas te reprendre quand tu fais des fautes de français. Qu'est-ce que je viens de dire là? C'était super. Qu'est-ce que j'ai fait comme faute? Déjà, ça fait même pas une minute. Merde. Mais t'en fais jamais en plus, ça me fait trop bizarre. Mais qu'est-ce que j'ai fait comme faute? Tu as dit s'il y a des gens qui te connaissent pas qui tu es. Ou qui connaissent pas qui tu es. Qui connaissent pas qui tu es. Qui ne savent pas qui tu es. Qui connaissent pas. Because I was going to say the people that don't know who you are. Qui connaissent pas qui tu es. Yeah, all right. Maintenant, ça sonne bizarre dans mes oreilles, maintenant que j'ai dit. Et ça sonne bizarre, c'est même pas français non plus. Parce que c'est du Québec. Shut up. Non, ça sonne bizarre, on le dit. Ça sonne bizarre? Bah, ouais. Ça paraît bizarre? Ouais. Ça a l'air bizarre? Ouais, ça sonne bizarre? Tout. I don't trust you. You can say whatever you want. I don't trust you anymore, Tania. I can. Donc, pour les gens qui ne savent pas qui tu es. Yes, Thibaut, I speak English. Notamment ma mère. À chaque fois, je demande aux gens de se présenter. En gros, à ma mère, qui représente tous les gens qui ne connaissent pas les gens. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui te connaissent, mais les gens qui ne te connaissent pas, pendant que je vais chercher notre première boisson, t'es qui et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Regarde le commentaire de Gio Trevi. J'ai vu Gio des Trevi. Sketchs de Tania sur TikTok. J'ai vu. Oh, on va parler de ça. On va parler Gio Trevi. J'ai vu des sketchs de Tania sur TikTok. J'étais mort de rire. Gio, on va parler de cette question dans pas longtemps. Mais avant ça, il faut qu'elle se présente, Tania. Et je vais chercher les bières en attendant. Donc, présente-toi. T'es qui? Qu'est-ce que tu fais?
Eh bien, très chère maman de Paul, donc je fais du stand-up, je suis humoriste française. Et j'ai 30 minutes sur Netflix dans Humoriste du Monde, la partie française, épisode 3. Et sinon, j'avais un travail et une petite carrière avant la pandémie, en somme. Donc voilà, ah, Tania, humoriste, ça fait longtemps qu'on se connaît sur scène. Ouais. Alors, avec tous les lives, avec tous les guests, je demande ce qu'ils veulent boire. Genre la semaine avant le live, Tania m'a dit une bière rosée. Donc j'ai fait ok, je vais essayer de trouver une bière rosée. Moi je suis pas très bière rosée. En gros, qu'est-ce que t'entends par une bière rosée toi? Mais parce que la dernière fois que je suis venue, tu m'en as proposé une, donc je me suis dit que tu étais en possession de bière rosée. Ah, ça c'était une qui m'a été envoyée par une petite mousse. Ouais. Mais j'en avais plus et je sais pas où les acheter, mais j'en ai trouvé. Oh. Enfin, j'ai trouvé des bières rosées. Alors, des bières rosées, j'en ai trouvé. En fait, il y a les typiques, les grosses marques, genre Hoegaarden rosé, Grimbergen rouge, Leff ruby, les trucs comme ça. Je me suis dit, c'est un peu trop facile. Donc, le supermarché à côté de chez moi, ils ont une bière rosée. La voici et je trouvais le nom assez drôle. Non, mais... Je l'ai déjà vu, mais j'étais en train de me demander si c'était pas au Québec qu'il est. Elles viennent d'où? Je crois que c'est des bières belges. Attends, ça se trouve. Alors c'est mais c'est belge, c'est des bières belges, mais je sais pas si ça veut dire que ça vient vraiment de Belgique. En tout cas, c'est en français. C'est des cherry beers. Avant d'être des cherry beers, ce sont avant tout des levrettes. Des levrettes. Alors moi, j'avais. Alors pour l'histoire, j'ai acheté ces bières au supermarché local. Je suis rentré à la maison. Et ma femme a dit ah ça c'est les bières pour Tania. Ah bah super. Et j'ai fait genre c'est quoi le problème? Elle me dit bah levrette. Et moi j'ai dit enfin juste bière cherry quoi. Et puis un petit lapin mignon et tout ça. Elle me dit ouais mais levrette tu sais ce que c'est? Donc j'ai tapé dans Google donc j'ai tapé dans Google la traduction levrette. Et on m'a dit greyhound en français, le chien, le truc de course. Là, les chiens qui font la course vite. Les chiens qui font la course vite. T'as vu la traduction greyhound racing. Et elle me dit, ouais, mais va plus loin dans ta définition. Et j'ai trouvé qu'apparemment, c'est la position sexuelle doggy style. Ouais. Vous appelez ça levrette. Donc, these beers, for English speakers, these beers are called doggy style beers. Et donc là, en plus, Adeline était en colère parce qu'elle a dit « Putain, c'est tellement sexiste comme truc. Évidemment, la bière pour les filles, la bière rosée, ça s'appelle la levrette. Comme quoi, on aime bien être pris par derrière. » Elle est partie dans le truc féministe à fond. Et j'ai dit « Ah ouais, c'est vrai que c'est un peu chaud. » Et du coup, j'ai checké leur site web. Et leur site web, en fait, ils font plein de bières et toutes les bières s'appellent levrette. Donc, c'est pas que la bière féminine rosée. Je crois que je me suis merdé, en fait. Raquel Regal says levrier. C'est peut-être levrier. Levrier, ouais. Lévrier. C'est un levrier, le chien. Le chien? Ah ouais. Google Translate, oh shit. Donc voilà, c'est une bière rosée. On va commencer avec ça, qui s'appelle la levrette. Elle n'est pas très grande. Donc du coup, je crois qu'elle rentre... Elle remplit pas le verre. Non, elle remplit même pas le verre, en fait. Jesus Christ. Donc on va la boire. Ouais. T'as vu? On va prendre ça. Look at that. Oh! Je sais pas si elle est bonne, je l'ai pas goûtée avant. Cheers. J'ai beaucoup trop de mousse. Cheers. Ouais. C'est pas mal. Ça va. Mais on dirait un jus de... On dirait un coca... c'est très chimique, ouais. Ouais. On dirait un jus de... Comment tu dis cherry, fucking hell, in French? Cerise. Cerise, merci. Mais je l'ai peut-être goûté déjà. Je ne sais. Bah c'est comme une crique en fait. Hein. Je ne sais pas ce que c'est une crique. Une crique, bah c'est, je sais pas, c'est une bière allemande, mais cerise à la une bière à la cerise. Normalement, on appelle ça de la crique. Oui, ouais, je connais. C'est vrai que maintenant que tu le dis, je connais. Donc apparemment, selon Charlotte de Hebbery, les levriers c'est les mâles et les levrettes c'est les femelles des chiens en fait. Donc les chiennes greyhound sont des levrettes. Sont des levrettes. Alors ça, je savais pas. Okay. Eh ben, tu vois, on apprend des trucs tous les jours. Ouais. Sur ce live. Oh, Jesus Christ. Donc, cheers everybody. Santé si vous êtes là en train de boire avec nous.
Et si vous êtes en train de pas de boire l'alcool, tant mieux pour vous. Et puis, cheers anyway. Elle est pas très forte cette bière, donc ça va. C'est raisonnable. Super. Parce que après, il y a un truc un peu moins raisonnable. Ok. Est-ce qu'on leur dit qu'on a déjà bu une bière avant et que faut pas. Non, c'est bon. Toi, t'es, donc, tu l'as. Je peux pas leur dire que j'ai déjà des gaz estomacaux. T'as déjà des gaz estomacaux. Oui, je peux pas le dire encore. Si. Ah bon, ben voilà. Bah, si t'as envie de roter, tu rotes, hein. Ah ben, il y en a déjà eu un qui, je pense, est passé inaperçu, je l'ai pas vu en commentaire. Mais j'imagine qu'à un moment, ça va s'entendre au niveau du micro, hein. J'ai beau faire... Ça va se... Bah là, ouais. Normalement, les micros, ils... Mais c'est bon, tant mieux. Okay. Mais si tu rotes, c'est pas grave. Oh bah, écoute, on est entre nous. Ah putain, mais je n'arrête pas de regarder la caméra d'en haut. Ah non, c'est pas la caméra, c'est la c'est ça. Je sais ouais, bien. La grosse caméra, mais ça c'est le... J'ai tellement l'habitude de voir un ordi de regarder la... Parce que sinon si je change la caméra, là tu peux regarder cette caméra. Oui. Mais c'est moche comme image. C'est moins joli, je suis entièrement d'accord. Et donc, je sais plus ce que je disais. On va repasser à la caméra normale. Putain, il y a quelqu'un qui dit... c'est Mika Luna qui dit « concours de Raw ». De ro, comment tu dis ça en français? Ro. Un ro, ro. Plusieurs ro. Des ro. Des ro, ok. Même s'il y a un S. Et c'est. Ok. Voilà. Bon. Ouais, mais concours de ro, on ne dit pas concours des ro. Donc, ouais. C'est... Mais je ne sais pas t'expliquer pourquoi on dit ça. On dit concours de ro. Ouais. Ah oui, pourquoi c'est pas. Correct, ouais, c'est. Mais ça dépend parce qu'on dit. Est-ce que tu as des ro à l'intérieur de toi? Mm-hmm. Tu ne dis pas est-ce que tu as deux ro. Donc, ouais, si c'est un concours de ro, ouais, je ne sais pas la grammaticale française. Je ne sais pas l'expliquer, mais c'est correct. Raquel Regal, Alphabet Bub. Tu connais ça? Ouais. J'ai essayé, je ne suis pas allé très loin. Ouais, moi, je suis arrivé à genre E. Écoute, si à un moment je le sens, je me lance. Écoute. Mais si t'es en train de parler, je pourrais pas le retenir. Ça va t'interrompre, ça va m'interrompre. Ah, voilà. Il y a peut-être un moment où Tania, elle va faire un ro en alphabet qui va m'interrompre. Okay. Mais ouais. Si ça arrive, il faut que ça soit un feeling. Il faut pas que tu sois forcé à dire ouais, je vais faire. Ah, mais non, ça ne sera pas. Ça sera complètement un feeling. Attends, donc, première question, Tania Dutel. Mm-hmm. Parce que je me souviens plus vraiment, mais je crois que oui. La réponse va être oui. Est-ce que. On était ensemble la soirée du Calamity Joke dans un bar lesbien où on était quatre sur scène. C'est fort possible puisque c'est moi qui animais ce spectacle. Enfin non, c'était souvent Franck Brusset parce que des fois je pouvais pas y être, mais c'est moi qui l'avais créé. Ok. Alors, pour les gens, il faut juste raconter une histoire. C'est que moi, j'ai commencé à faire du stand-up en 2013. Et en avril 2013, j'ai fait une soirée qui s'appelle le Calamity Joke. Dans un bar qui s'appelait le Calamity Jane. C'était en 2013. C'était en 2013. J'ai la date exacte que je n'ai pas là tout de suite, mais je vais la trouver. Calamity Joke, dans un bar qui s'appelle Calamity Jane, qui était tenu par deux lesbiennes. Mm-hmm. Et c'était une de mes premières scènes. Et en fait, il y avait moi, toi, il y avait Adrien Arnoux et Franck Brusset. Ouais. Et il y avait donc, il me semble que c'était les quatre. Dans ma mémoire, c'était nous quatre. Ok, mais oui, effectivement, eux, ils venaient souvent aussi. Et il y avait cinq personnes dans le public. Mm-hmm. Et les cinq personnes, c'était cinq mecs qui se connaissaient. Et ils sont arrivés en groupe à cinq. Et je crois que pour moi, c'était Franck qui présentait la soirée. Peut-être, ouais. Et il demandait qui c'était ces cinq gars dans le public. En fait, c'était cinq gars. Il y avait un mec qui venait de se faire larguer. Par sa copine, et ils ont décidé tous les cinq de venir le soutenir, et je sais pas comment ils ont trouvé notre spectacle, mais ils sont arrivés à ce truc là et à la fin du spectacle ils ont lâché un peu d'argent dans le chapeau et c'était la première argent que j'ai gagné en tant qu'humoriste professionnel sur scène. Et pour ceux qui connaissent cette chaîne, vous savez où c'est. Alors ça, c'est les 1,20€. Fuck! C'est les vrais... Attends, les vrais 1,20€ que j'ai gagnés le 26 avril 2013 au Calamity Joke. J'ai gardé les 1,20€ ce jour-là parce que je me suis dit, peut-être un jour, je ferai de l'humour ma carrière et je gagnerai de l'argent, mais j'ai envie de garder les vrais 1,20€ de cette soirée-là. Oh, du chapeau. Oh, mais c'est trop mignon. C'est cool, hein? Ah, j'ai eu un bruit de gorge. Non, ça, c'est un bruit de gorge, c'est pas un euro. J'ai souvent des bruits de gorge. Donc ça, c'est une des premières soirées qu'on a vécues sur scène ensemble. Ouais. Bah tu vois, moi j'avais tellement besoin de thunes à ce moment-là que je pouvais pas me dire, allez, je les mets de côté.
Toi, ton 1,20€. Parce qu'en fait, il y avait 5 mecs, ils ont tous lâché 1€. Et on était 4. Donc, on a dit, écoute, on va diviser 5€ en 4. Donc, ça faisait 1,25€. Mais comme Franck, il présentait la soirée, je crois que lui, on a dit 1,20€ chacun. Et lui, il prenait 1,40€ pour faire les... Ah ouais, non mais... Ah oui, cette époque, c'était galère, hein. C'était... Bah, galère, c'est le mot, ouais. How times have changed. Là, ça va un peu... Enfin, là, on galère encore pire que... Parce que là, on peut même plus jouer. Non, donc, mais on est quand même... Moi, je suis... T'es intermittent ou pas? Je me rappelle pas. T'es pas intermittent, toi? Ouais, moi, je suis intermittente du spectacle, donc on va dire que ça va. Donc ça va, tu... T'as jusqu'à... Ils ont changé la date ou pas? Je peux payer mon loyer. Je sais pas s'ils ont changé la date, mais je peux payer mon loyer, en tout cas. Donc, d'accord, bah, tant mieux. C'est au moins ça. There you go, Adonis G. Yeah, I remember you mentioned that in one of your vlogs. Yes, j'ai parlé des 1,20€ plusieurs fois, mais c'est cool parce que je crois que Tania... Ouais, c'est là, parce que j'ai pas encore eu Adrien sur le live, ni Franck. Donc du coup, t'es la première à être là pour dire hey, quelqu'un qui a partagé cet 1,20€ que toi, t'as dépensé tout de suite en je sais pas quoi. Si t'avais 1,20€ maintenant, tu dépensais sur quoi? Genre, c'est quoi ton... Bah, peut-être que j'irai m'acheter une baguette de pain demain. Ça, c'est pas plus cher qu'1,20€ les baguettes? Non. Non, 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 c'est les pains au chocolat. C'est max. Les pains au chocolat, en principe, c'est 1,20€. 1,10€, ça dépend où tu vas. Ouais, les bons, c'est 1,20€. Et les baguettes, c'est genre 70, c'est ça? Enfin, les bons, non. C'est les gens qui se la racontent, qui mettent leur pain au chocolat à 1,20€. Yes. Nikolaos Alexandros Terodo. Who are you, Tania Dutel? Oh. Nikolaos, go back to the beginning. You have to go back to the beginning. I already told Paul's mom. She knows who I am now. My mom knows who Tania is now. Well, she doesn't, parce qu'elle parle pas français. But she'll watch the subtitles in 3 days and she'll be like, oh, okay, that's Tania. Yeah. Elle regarde le live même si elle parle pas français, ma mère. C'est ouf. C'est vrai? Hein? Ouais. Parce qu'elle aime bien voir les réactions, elle aime bien... C'est quoi son prénom? May, comme le moi. May, ok. Je le dirais ça et là. Tu dirais quoi? Je le dirais ça et là, c'est-à-dire de temps à autre, avec parcimonie. Mais j'ai toujours pas... At some point, I will say may, but you will... What was the first thing that you said? Je le dirais... Ça et là, in three words. Genre ça, CCDA, plus loin et, plus loin là, tu vois? J'apprends levrette aujourd'hui ou levrier, ça et là. J'ai tant de choses à t'apprendre. Qui avait posé la question? C'était Gio. Gio Trevi. Par rapport à TikTok. J'ai envie de parler de ça. Parce que ça m'a inspiré. Tania Dutel est sur TikTok. Si vous êtes sur TikTok, les gens. Eh, on dirait pas une photo de moi, Nia. Teldu. Ah. On dirait pas ma tête. Ah, alors. On dirait pas ma tête. Merde! C'est l'inverse de mon... Mais qu'est-ce que tu me fais? Non, rien, c'est juste... Tu me fais une blague? Non, non, c'est... Est-ce que tu me fais une blague? Non, non, moi, je te fais pas une blague, c'est un de mes fans, en fait, qui... Mais regarde! Je sais. Niata Teldu, c'est Tania Dutel. En verlan. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bah, en fait, c'est un mec qui s'appelle Fred, que toutes les semaines, lui, en fait, ce qu'il fait avec le guest, il trouve une photo. Ouais. Il inverse la photo. Ah, et il inverse le nom. Donc tu m'as fait une blague. Putain, non, c'est pas moi qui t'a fait une blague, c'est lui. À la base, il avait créé son truc qui s'appelle Lao Plotei, qui est Paul Taylor à l'envers. Okay. Tu vois et puis là, du coup, si on zoome dans ton visage, a priori, ta tête, elle est... Attends, je vais essayer de zoomer. On va zoomer. Je me doutais que je reconnaissais. Tu vois, en fait, tes cheveux, ils sont comme une barbe. Et en fait, ton menton, c'est... Tu vois. D'accord, ok. Donc, thanks Fred, good work. Et c'est encore plus drôle quand les guests, ils s'en rendent compte, en fait. Et je te voyais regarder, t'étais comme ça. Mais oui. Non, mais parce que ça m'arrive des fois de voir des visages, on dirait moi. Et après, quand je regarde, je dis, mais pas du tout. Et du coup, c'est pour ça que je dis, mais non, je me trompe. Ouais, donc voilà. Il a inversé ton nom. Il a inversé ta tête aussi. Et il y a beaucoup de gens dans le truc. C'est devenu un truc, je sais pas pourquoi, où les gens, ils inversent. Tu vois, par exemple, j'ai une fan qui s'appelle Linda Wonder Woman, qui a fourni les bières là, que tu étais en boire juste avant, qui sont dans le coin là-bas. Elle s'appelle Linda Wonder Woman, donc Dailin Manwater. Enfin, c'est trop compliqué, vos trucs. Leçon de français ce soir. Yes, exactly. Leçon de français. Qu'est-ce que je racontais? Ah ouais, TikTok. TikTok. Gio Trevi, tu parlais de TikTok, que Tania est sur TikTok.
Alors moi, je viens de m'ajouter à TikTok il y a 2 jours. Mais c'était grâce à une conversation que j'ai eue avec Tania. Tania, qu'est-ce qui s'est passé sur TikTok ? Alors, laisse-moi te raconter. Je vais faire, tu sais, comme les gens qui te racontent des histoires à chier et à chaque fois, ils partent de leur naissance pour arriver à une anecdote qui est nulle. Alors, je suis née... Tu t'es commencé en 1989. Et puis, tu sais, entre chaque phrase, il y a des blancs. Et c'est long. Et tu t'emmerdes. Mais t'es obligé d'écouter jusqu'à la fin pour pas vexer la personne. Parce que ouais. Le mec, il pense que il y a un détail de son enfance qui est intéressant. Ouais. Qui... Non, c'est pertinent, c'est pertinent. Je te raconte ça parce que... Et au bout de 45... Parce que je suis née dans les années 80. Moi bon, donc, non, en gros, il y a un an, tu vois, je me crée un compte TikTok, @Tania Dutel, genre pour protéger le truc, comme ça, je sais qu'il peut pas être repris, mais je mets pas encore de vidéo parce que je suis pas très réseaux sociaux, parce que j'ai 31 ans. Et puis, depuis le début d'année, je vois que j'arrête pas d'être taguée, des gens, ils mettent sur Instagram des vidéos TikTok qu'ils ont fait, tu sais, avec ma voix en dessous. Donc ils ont repris la bande son, pour ceux qui connaissent pas TikTok, tu sais, t'as la vidéo et le son qui sont en 2 fichiers séparés, tu peux reprendre le son et faire du lip sync par dessus. Et donc j'ai plein de vidéos, je suis taguée comme ça sur Insta, et j'ai des potes québécois qui me disent « putain, mais t'as une de tes blagues qui arrête pas de tourner au Québec ». Et donc je comprends que ça vient de TikTok, donc je vais sur TikTok et là je vois que j'ai un compte qui est @DutelTania et pas @TaniaDutel, donc pas le mien. Parce que toi c'était @TaniaDutel, voilà. et cette personne-là avait créé @DutelTania. Exactement. Tu as très, très bien écouté. Et je vois qu'il a 27 000 abonnés et que le gars s'est passé pour moi. Et en fait, en regardant le compte, je vois qu'il vient de mettre une vidéo que je viens de mettre sur Instagram et qui avant n'était pas du tout publique. Donc, j'ai OK, c'est-à-dire que le gars me suit sur Instagram. Donc, moi, je fais des stories parce que je vois qu'il a publié plein de vidéos et tout. Et moi, au début, je me dis, trop mignon, c'est un fan. je pensais que c'était une fan. Oh, trop mignon. Et donc, je fais des stories sur Instagram en disant, je sais que tu me suis sur Insta, personne qui a créé le faux compte TikTok, contacte-moi parce que t'es meilleur en com que moi. Donc, tu fais staff, mais moi, je te paye, en fait. Tu fais pas ça gratuitement. Donc, la personne m'écrit sur TikTok. Donc, je me rends compte que c'est un gars. Il veut pas me donner son prénom, il veut rien me dire. Et voilà, il me dit qu'il kiffe mon travail, qu'il fait ça pour le plaisir, tout ça. Et après, moi, j'ai un pote. Donc, le compte, il monte jusqu'à atteindre 67 000 abonnés la semaine dernière. Il avait 67 000 abonnés. La semaine dernière, il avait 67 000 abonnés, ouais. Et moi, j'ai fait des vidéos là avec mon pote Marwan Sista. On a fait des pranks qui me racontent que sur TikTok, les vidéos sont monétisées à partir du moment où tu as 10 000 abonnés. Et quand il m'a dit ça, je dis « s'il te plaît ». Donc, je me dis « d'accord, donc le gars prend certainement de l'argent ». Donc là, j'arrive à l'avoir en contact encore. Mais tu sais, je lui demande pour lui parler par téléphone. Il ne veut pas donner son numéro. Il crée une fausse adresse mail, taniadutel6600@gmail.com, pour qu'on se parle via Hangout sur Gmail en audio. Et là, je lui demande si c'est monétisé. Il me dit oui, qu'il gagne 5 euros par jour. Et en plus, le mec, il est hyper honnête, quoi. Ouais, je gagne 5 euros par jour, ouais. Sur ton dos. Voilà. Et du coup, il me dit, mais si tu veux qu'on supprime les vidéos, on les supprime, il n'y a pas de souci et tout. Donc le lendemain, je dis, bah, supprime. Et en fait, après, il continue à en mettre tout le temps. Il a changé le nom en mettant que c'était une page fan, en me disant que du coup, comme ça, bah, ça ne créait pas de problème, parce qu'il dit, je ne vois pas le mal qu'il y a à faire ça. Et je lui ai expliqué que c'était une atteinte au droit d'auteur et qu'il n'avait pas le droit. Bref, je rentre en contact avec TikTok, ça prend un temps fou, ça prend 10 jours pour qu'il désactive son compte, en me disant on le désactive pour l'instant parce qu'on ne sait pas encore quoi faire. Moi, il me certifie le mien où je suis à genre 8000 abonnés là maintenant. Et donc, le gars m'a recontacté aujourd'hui, m'avait bloqué des réseaux, il m'a recontacté aujourd'hui pour me dire que voilà, le compte a été désactivé. J'avais vu hein, parce que je surveillais quand même tous les jours. Et qu'au final, il a gagné 200 euros avec toutes mes vidéos, mais que c'était encore sur le compte, il ne les avait pas touchées. Et que si jamais je voulais le faire débloquer, là, il pouvait le reprendre pour faire de la pub, parce que c'est quand même dommage si je veux pas. Et je pense qu'il est gentil, ce gars, tu vois. Mais ça, tu ne gagnes pas de l'argent avec les vidéos des autres, quoi. Bah, c'est ça. Et donc, dans ce processus-là, tu m'as appelé. Parce que Adeline, ma femme, elle travaillait dans la propriété intellectuelle. Tout à fait. Avant de travailler avec moi. Et du coup, on a une longue discussion. Et pendant qu'on est en train de parler, moi, je vais sur TikTok et je vois qu'il y a plein de comptes
genre Rire France, le stand-up France, LOL. Les pépites du web. Ouais, et qui en fait, qui reprennent plein de nos vidéos à nous, humoristes, et ils les foutent sur leur compte, et en fait, ils gagnent de l'argent sur les extraits de vidéos que même nous, on n'a pas le droit de poster. Parce que les extraits qu'ils postent, c'est souvent des extraits de Montreux Comédie, Marrakech du Rire, le Jamel Comedy Club, le Paname, enfin tous les trucs qui sont filmés. Et ce n'est pas nous qui filmons avec nos caméras, c'est une production et les images appartiennent à ces groupes-là. Mm. Donc même nous, moi, je n'ai pas le droit de poster mon passage de Marrakech du Rire ou Montreux sur ma chaîne perso parce que les images appartiennent à eux. Et donc, nous, on n'a même pas le droit, mais ces connards-là, ils ont le droit de poster ça sur TikTok. Et moi, j'ai été l'autre jour, et moi, je me suis dit, putain, il faut que je crée mon compte, il faut que je mette du contenu sur mon compte avant que ça arrive à moi. Il y a des sketchs de moi qui sont sur ces sites de cons-là. Et donc, j'ai créé mon TikTok grâce à toi, parce qu'on a eu cette conversation, et je me suis dit, ah, peut-être c'est peut-être pas mal de faire ça. Et donc là, c'est résolu, le mec, il n'est plus là. Son compte a été désactivé, mais il m'a dit qu'il en avait plusieurs sur plusieurs personnes. Donc, je sais pas de qui, mais... D'accord. Bon, voilà. Sinon, Tania Dutel, elle est disponible sur TikTok. Il faut aller trouver la vraie Tania Dutel avec la petite coche bleue, là. Comment t'appelles ça? Un blue tick Ouais, la certification. Ouais, c'est ça. Attends, je bouge ça, ça couvre ta face parce que t'es dans le... Voilà. Go follow Tania Dutel on TikTok. Et là, t'as vu, j'ai fait que des lives pour que les gens se disent, ça peut être qu'elle. Oui, ouais, c'est pas des sketchs de toi, c'est des... Non, là, pour l'instant, j'ai fait que des lives. Après, je prendrai des vidéos parce que j'ai fait toutes les captures écran de ce qui marchait le mieux comme vidéo, de ce qu'ils postaient. Et comme ça, je vais reposter les mêmes. Je vais être honnête avec toi, je connais pas trop... Enfin, TikTok, je suis pas à l'aise. Écoute, je trouve un super son. Vlatipa, que je le prends. Je fais une vidéo, je parle, la vidéo est super. Ouais, mais je ne savais pas enregistrer ma voix et je n'ai pas trouvé comment faire. Et je suis allée sur les tutos sur YouTube. Je n'ai jamais trouvé comment faire pour enregistrer ma voix en même temps que la bande-son. J'étais déçue. Moi, le truc de son et tout ça, je ne suis pas capable. J'ai juste, moi, j'ai reposté des vidéos que j'ai faites sur Instagram, sur le truc TikTok. Mais ouais, c'est vrai que les réseaux sociaux, même si c'est très chiant, c'est pas mal parce que du coup, on peut... Enfin, en vrai, ce qui est chiant avec ce mec, c'est qu'il t'a fait de la promo parce qu'il a eu combien de milliers de vues. En tout cas, il avait 65 ou 67 000 abonnés. Ouais, à un moment, Les gens pensaient qu'ils s'abonnaient à toi, en fait. Et tu partageais le truc. Et en vrai, oui, ça crée de la visibilité pour ton contenu, mais c'est quand même du vol. Donc, c'est de la merde. Et en fait, il m'avait envoyé les statistiques quand c'était au tout début. Donc, il avait que 27 000 abonnés et il y avait plus de 4 millions de vues dans la semaine. Fuck. Tu vois, c'est ouf, hein. Et là, je vois qu'il y a quelqu'un qui a dit... Aigle de la route qui dit mais la certification peut la falsifier comment ça et donc vraie question comment ça et est-ce que je t'ai dit que donc moi ils m'ont certifié sur TikTok mais qui m'ont même pas demandé ma carte d'identité je voulais faire le B j'ai pas réussi t'as juste fait A là ouais c'est arrivé d'un coup j'ai dit vas-y et j'ai fait que A et j'ai senti le relan qui sortait avec j'ai dit c'est pas cool. Et donc, mais ils m'ont pas demandé ma carte d'identité. Mais moi non plus en fait. Mais à la base, t'es pas certifié encore. Non, je suis pas encore certifié. T'as été certifié comment toi? Et du coup, j'ai par tous les moyens, j'ai trouvé les contacts de TikTok. Hein. Moi, je vais te dire, je me laisse pas faire comme ça parce qu'ils me répondaient pas sur Instagram, TikTok France. On m'a dit, faut les contacter sur Insta. Donc j'ai eu les contacts, j'ai contacté une personne qui m'a mis en contact une autre personne pour la certification où on m'a fait remplir un papier, mais on m'a pas demandé ma carte d'identité. C'est ouf quand même. Il y a Theo Chino, c'est une bonne question, qui dit c'est pas si simple, il existe le fair use. Alors, ça veut dire quoi? Theo Chino, fair use, ça veut dire, c'est quoi la traduction en français? L'utilisation, il y a un terme juridique en français pour ça. En gros, fair use, c'est quand tu prends du contenu de quelqu'un et tu transformes en quelqu'un d'autre. C'est-à-dire. Ah, mais c'est parodie. Pas forcément. Mais oui, c'est quand tu, en vrai, quand tu prends du contenu, par exemple, l'émission télé en France qui s'appelle Le Quotidien, eux, ce qu'ils vont faire, ils vont prendre des vraies images d'autres chaînes télé de Canal+, mais ils vont faire leurs propres commentaires par-dessus. Okay. Donc du coup, ça c'est fair use en français, gracieuse, éthique, il y a des gens, utilisation équitable, fausse fourrure. Maxime Boutet,
Maxime, c'est lui qui fait les sous-titres de tous ces épisodes. Utilisation équitable. Bref, ça veut dire que tu peux prendre le contenu que quelqu'un d'autre a créé si tu le transformes en ton propre truc, c'est-à-dire un commentaire dessus, une parodie, des trucs comme ça. Mais donc, tu ne laisses pas du tout la voix de base. Tu enlèves tout le, non, toute la bande sonore. Non, tu peux. Mais en fait, donc, ce mec-là, il aurait eu le droit de faire ce qu'il a fait si, dans la vidéo, genre, il fait... hey tout le monde, salut, là je vais vous montrer un extrait de Tania Dutel. T'es en train de te rendre compte que t'es en train de dire ça aux gens et que du coup ils vont faire ça pour récupérer nos vidéos? Ouais, mais après eux ils doivent créer du contenu, mais ils récupèrent pas la vidéo. Parce qu'en gros, si tu dis Facecam, salut tout le monde, je m'appelle Paul, je suis commentateur d'humoriste. Voici un extrait de Paul Taylor sur scène et après on en débrief. Il met l'extrait qui dure une minute et après il fait « Ah, c'est tellement drôle parce que moi aussi j'ai eu cette expérience, blablabla. » Et lui, il fait un commentaire dessus comme un Yann Barthès sur Quotidien qui prenne des trucs. Ça, t'as le droit en général. Ouais, mais alors pour moi, t'as le droit quand c'est pour l'information. Quand tu le transformes, je crois que la règle juridique, c'est si tu le transformes à un contenu différent. C'est-à-dire que soit tu le parodies, soit tu fais un commentaire dessus. Le problème avec TikTok, c'est que par rapport à YouTube, c'est que TikTok, ils n'ont aucun paramètre automatique qui dit « t'as pris le contenu de quelqu'un d'autre ». Sur YouTube, tu prends un extrait de Marrakech du Rire ou un truc comme ça, tout de suite, vous le savez, ceux qui suivent cette chaîne, dès que je mets une musique, une vraie musique, ou dès que je mets un extrait de quelqu'un sur YouTube, YouTube, ils me cassent et ils me disent tu peux pas monétiser la vidéo parce que cette partie de la vidéo, elle appartient à quelqu'un d'autre. Et donc, en fait, tu peux pas monétiser cette vidéo. Tu peux pas te faire de l'argent sur l'extrait. Tu vois, mon spectacle franglais qui est sur YouTube, au début, j'ai Charles Trenet, Douce France, la chanson. Parce que on a trouvé que ça, cher pays de mon enfance, j'ai grandi en France, c'était cool. Mais sur YouTube, je peux pas monétiser cette vidéo. Elle peut exister, mais je peux pas la monétiser parce que cette chanson-là, on n'a pas acheté les droits pour diffusion internet. On a acheté les droits pour diffusion télé, mais pas internet. Mais alors, du coup, ma question, c'est parce que, bon, la musique de Charles Trenet sur ton spectacle de 1 heure, elle dure 2 minutes. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de monétiser et que sur le ratio, il y ait 2% qui aillent à l'éditeur de musique et le reste à toi? Ils ne sont pas assez intelligents pour l'instant, YouTube. Bah, mais au moins, ça me paraît fou. Au moins, YouTube, ils peuvent. Ils le signalent. Lorsque TikTok, ils ne le signalent pas. Même si tu mets l'extrait avec le... Parce que souvent, ce que les gens ils font, ils modifient la voix, ils inversent l'image, ils zooment dans l'image pour que les algorithmes automatiques de YouTube captent pas que tu as volé du contenu de quelqu'un d'autre, en fait. Non, mais TikTok, tu mets le contenu tel quel, avec la même voix, avec la même... Rien, ils s'en battent les couilles. Surtout, YouTube, si tu signales une vidéo pour violation de la propriété intellectuelle, ils vont la supprimer dans l'heure qui suit, alors que TikTok, moi, ça m'a pris 10 jours quand même. Et c'est même pas ça, c'est que le truc sur TikTok, le truc qui est incroyable et que je trouve très bizarre, c'est, bah, je peux pas le faire sur le mien, mais si je vais sur ta page à toi, Tania Dutel, moi ce que j'avais essayé de faire pour Tania, oh my god, the internet is slow. Oh là là. T'inquiète, la prochaine, il n'y a pas de gaz dedans. Oh, c'est trop lent, j'ai la flemme. J'allais mettre ça là. Regarde, pousse-toi juste comme ça, tu vois. Ouais, exactement. Là, ce que tu peux faire sur le compte, tu peux faire report en bas. Et quand tu fais report, tu fais report account. C'est ce que j'avais fait pour ce fameux gars-là. Et tu dis intellectual property infringement. Je ne sais pas ce que c'est en français, mais en gros, un truc de... Violation de la propriété. C'est ça. Tu cliques là-dessus. Après, il faut trouver the copyright infringement report form. Tu cliques là-dessus. Et là, ce qu'il faut mettre, c'est ton nom, le nom du gars qui tient le copyright, ton adresse email, ton adresse physique, ton numéro de téléphone, tous les trucs là. Et ça, tout en haut, c'est ça que tu m'avais montré. C'est abusé, hein? Non, c'est en bas. Your contact info may be shared with the person who posted the content that you're reporting. En gros, ton info peut être envoyée à la personne à qui tu es en train de report. Donc, c'est-à-dire, si toi, tu détiens les droits de ce contenu-là, eh ben moi, Paul Taylor, toi, Tania Dutel, tu mets ton vrai nom, ton vraie adresse, ton email, ton numéro de téléphone, et le mec, en gros, il peut recevoir, en cas de litige et tout ça, il reçoit tes infos personnelles. Et c'est pour ça que tu as dit, bah non, on va te faire enculer, en fait.
Du coup, moi, j'ai hésité avant de signaler. Parce que justement, il n'y a pas que ça, ça, mais aussi que ça peut être rendu public sur je ne sais pas quel site, toutes tes infos personnelles. Ah super, j'avais pas vu ça. Et donc j'ai hésité. Et après, quand je voyais que ça n'avançait pas, j'ai dit bon, allez, je vais quand même le faire. Mais j'ai mis mon ancienne adresse. J'ai changé des trucs, tu vois, parce que je me suis dit on ne sait jamais. Mais du coup, ce matin, j'ai parlé à une journaliste et je lui ai envoyé une capture écran, parce que j'ai fait les captures écran, tout ça. Et je lui ai envoyé parce que je me dis c'est fou quand même. Ouais. Bah c'est incroyable. J'ai l'impression que tu m'écoutais pas là. Si, c'est que tu sais ce qui se passe avec ce live. Ok. C'est que j'écoute d'une oreille, mais je regarde les commentaires d'une autre pour essayer, tu sais, quand t'as fini la phrase pour avoir une transition, mais ça paraît que j'écoute pas. Ok. Et I need to work on it. C'est quelque chose qu'il faut que je travaille dessus. Parce qu'en vrai, j'aimerais être là tout le long pour dire ouais, ouais, c'est cool. Mais sinon, ça sert à rien qu'on soit en live. On préenregistre et puis on s'en bat les couilles. Tu as tout dit. Parce que Tio Chino, il a dit TikTok is a Chinese company. C'est pas faux. Et rien à voir, mais Laurent, il dit Brian is in the kitchen. Parfait. Ah, mais ça, c'est sûr. Oh, j'allais dire un truc. Laurent, il me suit sur Insta. Laurent, Reback, je suis très mauvais avec les noms. Rebachik. RB. Laurent RB. Voilà, on va dire ça. Il y avait un truc que j'allais dire. Ah oui, c'était avant qu'on continue, je voulais juste faire un petit coucou aux gens qui sont hyper généreux. Je ne sais pas pourquoi vous faites ça, mais que vous me faites des super chats sur le live en ce moment. En gros, vous donnez de l'argent pour contribuer à cette chaîne pour que je puisse m'acheter des nouveaux trucs, des nouveaux matériels qui vont rendre le truc encore mieux. Donc merci Frederick V. Merci Apple Pie. C'est ça qu'il faut que je fasse. Je suis malaisienne et je suis débutante dans la langue française. Tes lives me permettent de pratiquer ma compréhension. Bonne journée à tous. Bah voilà, Apple Pie qui vient de Malaisie. Ça, c'est trop stylé, hein. Bah ouais. Laurent, il a fait un super chat. Laurent RB. Et Frédéric, encore, il a refait un autre. Guys, thank you so much. I appreciate it. Merci beaucoup. Hey, pour vous, j'ai un petit jingle que je fais de pas souvent parce que vous... Enfin, je suis sur Patreon. Donc, à la base, les gens, ils me font plus de super chat. Mais pour les gens qui me font du super chat, ladies and gentlemen, thank you. Show me the money! Thanks very much for supporting the channel. Money, money, money. Oh. Must be funny. In a rich man's world. Ah, in a rich man's world. C'est peut-être pas les paroles, mais dans ma tête, c'est ça. C'est quoi Non, mais je savais pas, c'est pour ça après j'ai fait. Et j'attendais que tu le dises. Attends, ladies and gentlemen, the ABBA song, c'est ABBA, hein? Mm-hmm. Money, money, money. What did you say? Money, money, money must be funny. C'est peut-être même pas ça. What are the lyrics to money, money, money? We could look it up. Même pas must be funny. But I don't want to look it up. You tell us and we will keep drinking. Et putain, Patreon, ils m'ont contacté. Faudrait peut-être que je regarde ça. Patreon, c'est vraiment cool. Ok, ben, je vais regarder. C'est vraiment très, très cool parce que du coup, tu peux offrir du contenu un peu exclusif à des gens qui sont hyper fans de ce que tu fais. Ouais. Et ça t'aide à payer, à faire des trucs, à continuer à faire des trucs, en fait. Donc, c'est vraiment très, très, très cool. Bon, ben, on a raison. All right, Opti, must be funny in a rich man's world. C'est ça. Qu'est-ce que j'ai dit, moi? J'ai dit ça? Non, t'as dit ça. J'ai dit ça, je me souviens plus. Ouais. Les paroles sont bonnes. Martin Rahard, thank you very much, Martin. Parce que souvent, moi, tu sais, les gens, ils se foutent de ma gueule parce que même les chansons anglophones, ouais, j'ai pas les paroles. Ah oui. Parce que moi, je suis plus musical que parole. Donc, okay, j'aime beaucoup. Souvent, j'aime beaucoup des chansons, mm-hmm, par rapport à leur son, mais les paroles, je sais pas ce qu'ils racontent. Enfin, j'ai une idée en général. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé l'autre jour? Et j'avais honte. Avec Louise, la petite, elle était obsédée par la chanson de The Hangover. T'as vu le film The Hangover, Very Bad Trip? Le truc, c'est la chanson de Flo Rida. Et c'est Right Round. You spin me right round, baby, right round. Qui est à la base une chanson de quelqu'un d'autre, je ne me rappelle plus, anglais, dans les années 80. Mm-hmm. Mais en gros, les paroles sont You spin me right round, baby, right round. When you go down, down. En gros, ça veut dire quand tu me fais un cuni ou tu me suces la bite, tu me fais tourner la tête. Et là, tranquille, avec ma femme, on est en train de mettre ça pour Louise. Elle a 20 mois, elle est en genre « Ouais !» Elle dansait comme une ouf. Et après, quand j'ai fait « Ah ouais, non, on va peut-être pas écouter cette chanson, en fait. » Donc voilà.
The lyrics on are right. On fait tous ces erreurs, là, cette affaire-là. Là. Right, Tania Dutel. Avant que... Oh, video is lagging. Technical Taylor. Apparemment, la vidéo, elle lag. Oh! Tiens, il y a les pompiers qui sont dehors. Avant que tu finisses ta bière. Mm-hmm. Ah oui, il faut que je me dépêche. Ouais, en fait, fini. Et puis après, je vais aller chercher la deuxième. Et après, je ferai le petit challenge de English language que j'aime bien faire pour les Français. All right, that sounds amazing. Oh my God. Alors, je vais aller chercher la deuxième boisson, qui est une surprise. Daniel, il ne sait pas ce que c'est. Moi, je ne sais même pas ce que c'est. Et du coup, il faut que je descende au frigo, le grand frigo en bas. Et donc, pendant... In the fridge. In the fridge. All right. Exactly, the fridge. So, in the kitchen. In the kitchen. Where Brian is. I'm going to go speak to Brian, and the barman, and he's going to give me some more drinks. Okay. Donc moi, je t'attends ici avec eux? Ouais, ça va prendre une minute et demie. Tu peux voir les commentaires qui sont là. J'ai l'impression qu'il y a une blague qui va arriver, que genre, il y a quelqu'un qui va arriver avec un faux couteau pour faire genre qui veut me tuer, qui va faire caméra cachée, mais il a les caméras, pourquoi t'as fait ça? Non, c'est il faut juste... Mon frigo, là, il est trop petit. Qui est derrière toi, il est trop petit pour mettre ce qu'il y avait, bref, go, speak to the people, answer the questions, I will get the second drink. Yep, I'm going to speak, en français. Alors Tania, il faut qu'on se parle ensemble, t'es très drôle, il faut qu'on se parle ensemble. Bah, Kelly, elle est sûre d'elle. La fille d'en face, on ne sait pas de qui tu parles, Theo Chino. Ouais. Poser des questions peut-être. Et en fait, je me rends compte, parce qu'il y a l'écran, j'arrête pas de me regarder, parce que du coup, je me rends compte que j'ai un œil plus grand que l'autre. J'ai un problème facial. Mais bon, on veut un RAW en ASMR. Je demande à toi de faire un RAW. En ASMR. I love it. Comment on fait un RAW en ASMR? En fait, le problème, c'est que c'est dur, parce que le RAW, déjà, à la base, il va faire beaucoup de bruit. Mais tu sais, le ASMR, c'est quoi? Bah, c'est les bruits sourds pour t'aider à t'endormir, je sais pas quoi, là. Ah non, fait, ça, c'est les bruits blancs. C'est quand tu parles vraiment très proche du micro. Mmh. Mais les RAW, tu peux pas faire un RAW... Bah, je peux en forcer un, mais là, j'ai pas forcément envie de roter. Mais je peux en forcer un. Oh, shit. Qui a dit... Tania, tu vas recommencer les arrêter tout? Non. Parce que j'en ai fait pendant 6 mois et ça... Ça tournait tout le temps en rond, les articles, donc j'ai arrêté. J'ai arrêté de faire ça. Sur les magazines féminins. Ouais. Ouais, magazines féminins. Ah, attends. Je sais pas si vous avez aussi, il y a eu la remontée. Jesus. All right, Tania Dutel. Oh, des glaçons! Merci trop! C'est trop, alors... Mesdames et messieurs, j'ai eu un contact sur Instagram qui m'a envoyé un message pour me dire: Paul, t'aimes les cocktails? Et j'ai dit bien sûr. Il me dit: bah, je t'en donne des cocktails. Et j'ai dit parfait. Donc il est venu aujourd'hui livrer des cocktails, parce que c'est un service de livraison qui s'appelle Moonshine Delivery. Et en gros, il te livre des cocktails à la maison, déjà préfaits. Donc dans une enveloppe assez stylée, genre contraband. Paul's iPhone mute. Ah oui, oh pardon. Ah, excusez-moi, je découvre la technologie. Je croyais que tu avais coupé ton micro. Pardon. Ah non, c'est bon. Je me retire. Comment tu dis contraband en français? Contrebande. Voilà, donc c'est livré dans une enveloppe en mode secret. Et en fait, ils livrent des cocktails dans des gourdes déjà préfaites. C'est des cocktails alcoolisés ou non alcoolisés. Donc il m'en a envoyé 3. Donc il y a Daisy's Margarita, la Margarita. Il y a un Daiquiri. Et Cosmopolitan que j'ai. Donc lequel tu préfères? Parce qu'en fait là-dedans il y en a 2. Enfin il y en a 3, mais... Ah, je veux bien Margarita. Tu viens... Oh, Margarita, tu veux ça? Right. Je vois, parce que ça fait 2 fois qu'elle posait la question et qu'il dit: Tania, c'était la seule femme humoriste lors de Retour vers la culture en juin dernier. Oui, c'était moi, j'étais la seule, mais ils ont demandé à plusieurs autres femmes qui ne voulaient pas jouer ce soir-là. Notamment parce que initialement ça devait être filmé, donc elle voulait pas que ce soit capté. Finalement ça a pas été filmé,
et aussi parce que d'autres se sentaient pas de rejouer à l'européen alors qu'on n'avait pas joué depuis 4 mois. Voilà. Merci de clarifier ça parce que je sais que c'est un point de controverse dans le milieu. Oui, tout à fait. Donc, c'est pour ça que je préfère... Alors, le problème... Ouais. Alors, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. We need a triette? No, I need to go get a plate. Je vais chercher une assiette. Continue. All right. Eh bien, voilà, Daline, je viens... Mais bon, je pense que les commentaires s'affichent après. Mais donc, oui, à l'européen, voilà. Packaged as if it's for children. Attends, je te pousse un petit peu par là. En portugais et moi, je comprends pas. Ils parlent en portugais? Je crois que c'est du portugais. Alors, quand tu commandes des trucs chez ces gars-là, ils t'envoient le sel et les citrons verts en plus. Surtout pour la margarita. Tu vois ce que je veux dire? C'est des... Donc, tu es en train de dire qu'on est vraiment sur un produit plutôt écologique, hein? Ouais. En fait, cette marque a été créée en Australie, à Melbourne, parce que pendant le confinement melbournais de... Melbournois? Melbournais? Melbourne... Australien. Ils étaient en confinement pendant 10 mois, les gars. Et donc, ils ont dit, bah, on va faire des cocktails pour des gens. Donc, il y a des petits trucs de citron vert. Et voici le truc. Regarde ce qu'il faut faire avec ton verre. Je vais te laisser faire. Prends ton citron vert. Citron. Alors, ce qu'on va faire, tu veux mettre un à l'intérieur, ça c'est parfait. Ah, mais... parce que je ne sais non. pas. Alors, tu vas prendre un autre. Ok. Garde-le dans ta main. Et prends-le. Et tu vas faire ça avec ton verre. Of course. Autour. Après, ce qu'on n'a pas pensé, c'est que. Il aurait fallu retourner le verre pour le tremper dans ouais, le. Ouais, en fait, le truc. Tiens, poubelle. Moi, je vais enlever mon glaçon parce qu'il est grand. Que tu poses sur la table. Ça, je pose sur la table. C'est pas grave. Là, le sel, je vais le poser sur le... Plate. Le plate. Comment tu dis ça? L'assiette. Assiette. On dirait de la cocaïne. It is. Voilà. It is, May. Regarde. He's taking cocaine, May. Look, May. Cocaine, mum. Here we go. Bang! Comme ça, j'ai le sel autour. Tiens, enlève ton glaçon parce que. Mais tiens-le dans ta main ou mets-le dans l'autre verre. Ouais. Vas-y. Look at that. Fucking beautiful, Tania Dutel. Right. Jeez. On remet le glaçon et le verre dedans. Right, let's go. Daisy's Margarita, ladies and gentlemen. Je te sers en premier. On va dire là, je sais pas c'est quoi les quantités. Apparemment, il y en a 3 là-dedans. Mais. Ah, effectivement, c'est pour ça. C'est parce qu'à chaque fois, il y a tellement plus de glaçons que de liquide. Oh, en tout cas, ça sent bon. Ça sent. C'est super ce truc. Ça sent une très bonne marée. Bon, écoute, on va faire. Au lieu de 3 par verre, on va faire 2 là. Tu as. Grand homme. Grand homme. Ladies and gentlemen. Pareil. Cheers, Tania Dutel. Cheers, Paul Taylor. To the last margarita of our lives. Quite good. It's good, huh? Yeah. Yes. Hey, moonshine delivery. Honnêtement, j'étais assez sceptique sur ce truc-là, mais moonshine delivery. Non, c'est super, mais il y a quand même un gros point noir sur le fait que c'est pas très écologique. On va pas se mentir. C'est les gens, faux. Ils ont tous du sel chez eux. Mais imagine, t'as pas de sel chez toi. Jesus. Ou tu commandes d'autres choses. Mais ils font des bouteilles en verre aussi. Okay. C'est juste qu'ils ont la version bouteille en verre, la version gourde. Je vous remets la page fucking Instagram. Parce que the guys at Moonshine Delivery, ils m'ont dit, Paul, si tu veux, les gens qui écoutent ton podcast, ils peuvent avoir 25% là-dessus. Donc, si vous voulez des cocktails livrés chez vous, hey, c'est vraiment bon. Hein, comment ils peuvent avoir lancé le truc en Australie que ça marche bien, qu'ils aient que 119 followers? Parce qu'en fait, ça s'appelle pas Moonshine Delivery ici en Australie. Okay. En fait, le mec qui l'a créé ici en France, il est australien. C'est ses potes melbournais qui ont créé ça. Donc, lui, ils ont dit, tu devrais faire fais-le ça. Fais-le en France, mais il n'a pas volé le concept.
Non, c'est ses potes à lui. Superbe. Voilà. Superbe. Non, non, c'était parce qu'on était encore dans un truc de propriété vol de concept. Oui, exactement. Donc, ladies and gentlemen, Moonshine Delivery. Theo is asking, c'est quoi le chiffre? Je dis Theo parce qu'il parlait qu'en anglais, mais c'est peut-être Théo. C'est quoi le chiffre à l'intérieur du symbole de recyclage? Ça veut dire quoi, ça, Théo? C'est quoi le chiffre à l'intérieur? Est-ce que ça veut dire quoi, les chiffres... Attends, c'est fou, on ne sait même pas ce que ça veut dire, ces trucs, on est teubés. Je sais pas, j'ai pas un... Il n'y a pas... la gourde, il n'y a pas un truc de... Non, mais c'était sur les gourdes, justement, parce qu'on parlait d'écologie. Il n'y a pas un symbole... Il y a un symbole anti-femme enceinte. Non, non, mais tu sais, les trucs de recyclage. En dessous. Bah, il n'y a même pas de symbole de recyclage, mon gars. Hein. Bah, c'est... je sais pas, moi. Non. Écoute, moi, je suis juste... j'ai reçu ça. Et j'ai pas demandé pour le recyclage. Anyway, 25%, tu tapes... quand tu achètes les cocktails, tu tapes « dickheads » comme, comme code. Est-ce que c'est « dickhead » ou « dickheads » ? Attends, il faut juste que je vérifie. C'est « dickheads ». Pluriel « dickheads ». Tête de bite « dickheads ». Bon, et t'as 25% off. Et puis, ils livrent partout en France. Donc, si tu sais pas faire tes cocktails toi-même, mais t'as envie de faire tes cocktails toi-même, thanks Moonshine Delivery. Pour, ouais, c'est très bon. Franchement, c'est pas mal. Hein. Et tu vois, il y a Nito qui demande si c'est pas trop sucré. Pas du tout. Il y a aucun sucre là-dedans. C'est du sel, en fait. Ouais. Dude, that's a good... I'm happy about that. Thanks very much. Hey, thanks for sending me that. Et en fait, il est venu tout à l'heure. Sam Davies, c'est son nom, who came from the company. It was cool. Thanks very much. Tania Dutel. Right, English. All right, if you want to... Pour tous les guests francophones, j'aime bien... Anglophone, tu veux dire? Non, non, francophone. Okay. Parce que toi, t'es francophone à la base. Tout à fait. Mais pourquoi ils n'arrêtent pas de me dire t'es d'où au Canada? Ou c'est à toi qui demande? Non, c'est Rico qui demande à Henry Lowe t'es d'où au Canada. Ils se parlent entre eux en fait. Okay. Les gens qui regardent le live là, ils ne regardent pas le live. Ils regardent ils eux. Ils se parlent. Non, parce que comme j'ai vu plein de trucs où ils demandaient et je dis mais à quel moment ils croient que je suis québécoise? J'aurais adoré, hein, mais malheureusement non, je suis française. Test d'anglais, c'est pas vraiment un test d'anglais, mais c'est un truc que j'aime bien, que j'aime bien faire sur le truc qui s'appelle Express Yourself. Et en gros, je demande au public d'envoyer leurs expressions préférées anglaises. Ouais. Et après, on voit si le guest francophone connaît les expressions et si on peut les traduire, etc. Ok. Et souvent, c'est assez drôle. Il y a même un jingle pour ça. Ladies and gentlemen, it is time for Express Yourself. Oh, you've got something interesting to say, do you? Well, go on, say it. Say it in English, dis-le en français, and we'll see if it's interesting. Alright, donc envoyez vos expressions anglaises préférées in the fucking chat. Et puis, on va voir si Tania, elle connaît ces expressions ou pas. En réponse à Benoît, on essaye, Paul, de parler à nous, mais on répond pas. C'est vrai qu'on ne répond pas à tout le monde parce que vous êtes 460, donc on répond à des trucs, sinon ça va trop long. Et je crois qu'il y a beaucoup de délais, non? Il y a peut-être 15 secondes de délai entre nous qui parlons, tu vois, parce qu'il y a déjà les commentaires, enfin les commentaires, les trucs. Alors, J.S. Shoff 91. Oh, qu'est-ce que j'adore cette expression. Up, shit creek, shit's creek without a paddle. Est-ce que tu la connais, cette phrase? Non. Est-ce que tu as une idée de ce qu'elle veut dire? Est-ce que tu peux la traduire déjà? Creek, c'est en lien avec Dawson's Creek, de TV show. Non, une creek, bah, c'est une petite creek without a paddle, c'est les stand-up paddles là. Presque, alors creek, ça existe en français, creek? Une creek, ouais, c'est quoi une creek? Au bord de la mer. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, bah alors t'es pas loin. Alors, up shit creek without a paddle. Donc paddle, parce que vous... Ah putain, ça je vais le noter pour ma série. Je suis en train de me noyer, au secours. Presque, ouais. Et attends, je note ça parce que j'ai une série No Bullshit English qui va sortir où je tape, où je fais les anglicismes. Et ça c'est un anglicisme que n'existe pas. Donc, paddle, en français, du paddle, quoi. C'est ce que nous, on appelle en anglais stand-up paddle, board. C'est quand t'es debout sur une planche et tu... Ah, mais nous aussi, on dit stand-up paddle. Vous dites juste paddle, non? Ah, non, moi, je dis stand-up paddle. Bah, c'est parce que t'es... Ah non, c'est parce que c'est que mon frère qui m'en a parlé, qui dit stand-up paddle, donc je répète comme d'accord, il dit. Parce que lui, il connaît, il fait le sport, donc il connaît, mais ils vont dire du paddle, ah j'ai fait du paddle. En gros, paddle, c'est
le truc que tu utilises pour bouger dans l'eau. Ah, la rame. Une rame. Ok. Sûrement. Donc. Up shit creek with that paddle. Without a paddle. Up shit's creek without... En fait, il manque un apostrophe S après shit. Up shit's creek without a paddle. I'm up shit's creek without a paddle. Et t'as dit quoi? Eh ben, genre, il est en train de se noyer, quoi. Ouais, ça veut dire que t'es dans la merde. Ok. Littéralement, t'es dans une crique remplie de merde et t'as pas de rame pour en sortir. Pour mais t'en c'est sortir. Pas quelqu'un qui est dans l'eau qui dit ça. C'est-à-dire que tu peux le dire là, là, tout de suite, tu peux dire up shit's creek without paddle et ça veut dire que t'es dans la merde. Ça veut juste dire que t'es dans la merde. Genre, imagine qu'on finit les cocktails là ouais. Et il y en a plus. Plus pour le reste de l'émission, je dis « Oh, fuck, I'm up shit's creek without a paddle. I don't have any more cocktails. » Ah, ça, ça serait la merde. Hein. Ouais. C'est, en gros, t'es dans la merde. Mais, quel est-ce, exemple. Que, est-ce que tu connais... Parce qu'il y a une émission qui s'appelle Shit's Creek. Or, I think it's called Shit's Creek. There's a, I feel like there's a Netflix show called Shit's Creek. Is non, it, ça ne parle pas. Ça ne parle pas, mais ça va être appelé autre chose. Shit's Creek. Oui. C'est avec le mec de American Pie, Images. Voilà, ça, c'est l'émission, je crois que c'est sur Shit's Creek. Et donc, Shit, c'est le nom de famille du mec. Shit's mm-hmm. Creek, en gros, c'est une phrase connue en anglais. To be up Shit's Creek without a paddle. Ok. Donc voilà. Ok, être mais dans la merde. Être dans la merde, t'es dans la merde. T'es vraiment, mais vraiment grave dans la merde. Tellement que t'es dans la merde, t'es dans une crique debout. Dans un bateau, dans une crique, dans l'eau remplie de merde, et t'as pas une rame pour t'en sortir en fait. Donc t'es vraiment dans la merde. D'accord, donc il faut vraiment décortiquer l'expression, j'ai compris pour la prochaine. Right. Oh, Ian Devine. Oh, hold on, where is it? Ian Devine, hair of the dog. Oh, et putain, la bière, tu la bois lentement, mais le cocktail, tu la descends en deux secondes. Hair of the dog, go. Les cheveux du chien? Ouais. Les cheveux du chien. Bah, les poils du chien. Non, poils, on dit hairs, on dit pas hair. Ah non, moi, je suis désolée, c'est ce qu'on m'a appris à l'école. À l'école, parce qu'à chaque fois, on disait I wash it pour I wash my hand. I was like, what, they have only one hair? They was like, no, it's like la chevelure. Et hairs is poils. Ah non, moi, je revois pas toute mon éducation anglaise à cause de ça. Mais tu sais que l'éducation anglaise en France, c'est de la merde. Et c'est pour ça que les Français, ils parlent mal anglais. J'ai eu une discussion. I cannot hear you. Alors déjà, hair in general. Oui. Is your hair? This is your hair. Yeah. If you have hair on your chest, hairs. C'est pareil. No, you have hair on your chest. What? I have hair on my balls. I've got hairs. I got hair on my legs. Hair in general. If you're counting the hairs, si tu les comptes, c'est if you say one hair, two hairs, three hairs, four hairs, but hair in general, that dog. It's got a lot of hair on him. It's a hairy dog. J'ai l'impression qu'on m'a menti toute ma vie. Ouais, bah, j'ai l'impression que je viens de découvrir que j'ai des frères et sœurs que je connaissais pas. Oh. Hair, bon, alors, hair of the dog. The dog. Donc, le poil ou le cheveux, comme tu veux. On bon, s'en bah, fout, les en cheveux fait. Du chien. Les cheveux du chien, les poils du chien. Et donc, il y a des gens comme ça qui vont dire « Oh, hair of the dog », c'est ça? Ouais. Alors, je te donne le contexte. Ouais. Vraiment, là, tu peux pas le décortiquer. Okay. Tu peux pas savoir. En fait, hair of the dog, c'est quand tu te bourres bien la gueule une soirée. Ouais. Attends. Attends, on a un truc comme ça en français. C'est quoi, c'est... J'ai mal aux cheveux. C'est genre, t'étais bourré le lendemain matin, t'as mal à la tête because of the alcohol. Alcool. The alcool avec un H, bien sûr. On écrit alcool avec le H, bien sûr. T'as mal à la tête à cause de l'alcool. Et donc, c'est ça, c'est, t'as mal aux cheveux, c'est ça? Non. Oh, c'est rien. Mais je crois qu'il y a un truc français, une expression. Mais en gros, ça veut dire, le lendemain, t'es en cuite, hangover, gueule de bois. En fait, tu prends une autre boisson alcoolique pour tuer l'effet. Enfin, souvent, on dit... Le lendemain matin, oh, it's the hair of the dog. Ça veut dire que c'est genre la boisson alcoolisée pour défaire la gueule de bois que t'as eu. Okay. Vous avez pas ça en français? Je crois que ce que les gens disent, c'est on combat le mal par le mal. Ouais. Je crois que c'est ça. Ouais, ouais. Ça, oh, ça moi, peut j'ai, fonctionner. J'ai vraiment, avec le truc de j'ai mal aux cheveux, j'étais sûre à 100%.
Marie Dazi dit voici un petit remontant pour demain, mais c'est pas pour demain, c'est le jour même. Tu le dis que si t'étais bourré hier soir en fait. On combat le mal par le mal. Ouais, le mal par le mal. Ouais, y a pas de truc imagé comme les chiens. Je sais pas pourquoi on dit ça en fait. J'ai rien. The hair on the dog that bit you. C'est la phrase complète. Thank you, Jenny Richards. The hair of the dog that bit you. Qui te... Ouais, c'est le poil du chien qui t'a mordu. Ah. Ça n'a pas de sens ce truc-là. Alright, good. Bah écoute, c'était très cool. Je ferai un autre, mais du coup, ça fait déjà une heure qu'on est en train de parler, tu te rends compte? Et du coup, il y a non seulement l'anglais dans la mission, mais il y a le québécois aussi. T'es bien au québécois ou pas? I love québécois. Oh, ladies and gentlemen, chaque émission, il y a mon pote Rolly Assal qui est aussi humoriste, mais qui est basé à Montréal. Qui apprend à mon guest à chaque fois, que ce soit anglophone ou francophone, des expressions québécoises. Ladies and gentlemen, it's time. C'est quoi en québécois? Québécois. Tabarnak. Calice de marre. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je comprends rien. All right, ladies and gentlemen, Rolly Assal is joining the show. Qu'est-ce qu'il y a? I'm so happy. I love him. You love Rolly Assal? Yes. He's funny, isn't he? Where is he? There he is, Rolly Assal. On a testé le son tout à l'heure, les gens, et puis ça n'a pas fonctionné. Donc j'espère que ça va fonctionner, le son. Qu'est-ce que tu fais, Rolly? Ben, j'attends l'esti de live de marde. Toujours, c'est long, là. Moi, je fais rien, je nettoie mon bureau entre-temps, tu sais. C'est vrai que normalement, je l'appelle vers moins quart. Putain. Mais tellement on était dans le truc, on est 15 minutes en retard, Rolly! Ah, désolé! C'est long. Ça va. J'ai fait mes affaires, voilà. Déjà. Ok. J'ai juste envie de savoir si sur le. Attends, pardon, moi je suis encore sur le Rubik's Cube. Attends, mais juste avant ça, est-ce qu'on l'entend bien, Rowley? Est-ce que les gens vous entendez, Rowley? Juste parce qu'on a fait un test de son avec un nouveau. Test de son. Vous m'entendez bien, tout le monde? Alors bonsoir, tout le monde. Bienvenue. Happy Hour Live avec Tania Dutel. Tu peux le refaire? Comment? Mais je veux voir toutes les faces. Ouais. Ben, je vais le refaire si tu me fais un petit rot. Attends. OK. Non, mais un petit rot sympathique, quoi. Un petit... Oh oui! Bon, ouais, bravo! C'est parfait! Ça sent le camembert! Ouais! OK, donc... Non, mais je veux dire, je l'ai fait vite, mais normalement, ça me prend peut-être 2 minutes, mais... Mais je te le ferai une autre fois. Je te le ferai... OK. Pas là. Ben, mais je te le ferai plus avec tard. Plus tard, mais en fait, je vais t'apprendre comment le faire, Tania. Tu vas voir que c'est pas si compliqué. Avec plaisir. Eh ouais, avec plaisir. Sinon, vous autres, ça va? Je peux partir. Ouais, j'y vais. Je vous laisse. Salut, les gars. Non, mais nous, on a trop de choses à dire. Je sais pas dans le chat, mais moi et Tania, on se connaît, on s'aime beaucoup et on est des bons amis. Bon, voilà, fait que je suis très bien. Ça va? Yeah. Yeah. Ah oui, j'avais pas vu. Regarde derrière lui à gauche. Ouais, j'ai vu. T'as vu la photo de moi? Ah, mais moi je crois qu'il le faisait à chaque fois. Bah, il l'a fait la semaine dernière, c'est vrai que mais j'avais oublié que c'était un truc qu'on faisait et puis j'ai vu ta face. Ah non, mais d'habitude, oui, c'est vrai, dernièrement, je mets l'invité sur mon écran, mais en fait, la différence aujourd'hui, c'est. Bah, en fait, aujourd'hui, ça fait 2 mois en fait que t'es mon wallpaper en fait. Ça fait même pas 2 mois. J'aime beaucoup Tania que c'est mon wallpaper. Eh ben non, c'est une bonne photo, figure-toi, je l'ai fait juste avant le deuxième confinement. On a fait un book pour la presse et tout, et on était confinés la semaine d'après. C'est la première fois que j'utilise ces photos. Ces photos, c'était pour ton spectacle, pour faire la promo? Non, c'était pour, ouais, pour la presse, ouais, pour la presse. Ah putain. Eh ben ouais. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Il y a quelqu'un qui... ouais, t'étais trop fort, mais je t'ai réduit en intensité, parce que j'étais trop intense. Ok, ça marche. Hey, avant de commencer, je capote en fait. Il y a quelqu'un qui m'a écrit sur Instagram et qui m'a dit, du coup, le hostie de calice de ciboire de tabarnak, cette longue phrase comme full of swearing de québécois, il me l'a traduit en nom de Dieu de bordel de merde. Et j'ai fait, waouh, c'est la meilleure traduction de cette phrase. Hostie de calice de ciboire de tabarnak, c'est nom de Dieu de bordel de merde. Je dirais de putain de merde quasiment. Ça me fait penser au Matrix. Matrix, le deuxième. Tu l'as vu, le Matrix? Non.
T'as pas vu? Enfin, si, mais il y a longtemps, je m'en rappelle pas. Donc, il y a un moment donné où Christophe Lambert, je me rappelle plus comment. Non, c'est pas Christophe Lambert, c'est. Lambert Wilson. Il joue dans Matrix. Il joue un méchant ou un bon, je me rappelle plus. Et en gros, il dit I love to swear in French. The French is the best language for swearing. Par exemple, je peux te dire nom de Dieu, de putain, de merde, de saloperie, de ça. Et il fait un grand truc qui dure genre 30 secondes. J'avais oublié cette phrase. C'est quelque chose que j'ai appris quand j'avais 17 ans. 15 ans quand le film est sorti. Il est sorti quand ce film? Peu importe, on s'en fout. Anyway, c'est ça. Il dit nom de Dieu, de bordel, de putain de merde, je crois. Voilà. Lambert Wilson, c'est bien ça. Et dans le film, il s'appelait The Merovingian. Le Merovingien. Mais alors, au Québec, j'avais jamais entendu... Oh là On est en train de muer. J'avais jamais entendu ciboire comme ciboire, ouais. Juron, je connaissais pas. Tu peux l'écrire dans les commentaires, Rowley, comment tu l'écris, ciboire. Absolument. C'est un truc de l'église encore, ça. Ça doit être un truc de l'église. Ça doit être un truc de l'église, mais je sais pas de où, mais souvent... C'est parce qu'en fait, ciboire, il est caché dans des phrases, comme ciboire de marde. Là, tu vois, oh, t'entends le mot marde, tu fais, la personne est en colère, mais on dit ciboire, ciboire. Ciboire, c'est niveau 1, tabarnak, niveau 3. Donc, mais c'est il s'enfouit bien dans des combos d'expressions. Ah oui, alors que pour moi, française, tabarnak, c'est mignon, quoi. C'est mignon. Alors, je viens de checker sur Internet. Apparemment, la traduction anglaise de ciboire, c'est wafer box. Donc, c'est la boîte où sont stockées les hosties. Quand tu vas à l'église, ils te donnent des hosties pour mettre dans ta bouche. C'est la boîte dans laquelle ils sont stockés. Ah! Et la traduction anglaise, c'est « damn it or fuck » dans le vulgaire. La ciboire. Et t'as mis dans les commentaires « ciboire » ou « cibole », qui est la version genre, au lieu de dire « merde », on dit « mince » en France. Donc, au lieu de dire « ciboire », vous dites « cibole ». Exactement. Quelque chose qui nous étonne souvent. On utilise « cibole » sur quelque chose qui nous est... Ah ouais, tabarouette. Ça, c'est beaucoup de surprises. Mais oui, cibole, c'est cibole. As-tu vu ça? Très québécois. J'étais en train de cuisiner, en train de penser à des expressions en cuisinant, et je me suis rendu compte, je ne sais pas si c'est pareil en France ou dans les autres pays, à vous de me le dire, qu'il y a beaucoup d'expressions, du moins québécoises, avec de la nourriture dedans. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous. Et je me suis dit, je vais essayer de tester ces expressions dans laquelle il y a de la bouffe, des expressions québécoises avec de la bouffe, avec Tania. Et je veux demander à Tania si elle est capable de deviner ces expressions veulent dire quoi. J'ai l'impression, parce que j'ai pas envie de me tromper, mais je sens que tu vas aller chercher loin et que je vais pas voir ce que c'est. Ah, je vais aller chercher loin en tabarnak, mais je les ai déjà écrits. Ok. Ouais, tu les écris dans le commentaire, je les mets à l'écran et puis on en parle. Putain, mais on parle Mais ouais, mais c'était bon. Moi, je suis... Hey, pour une fois, mesdames et messieurs, je me fais... ça, c'est une autre expression anglaise. I'm getting drunk under the table. Je me fais boire en dessous de la table. Ça veut dire que l'autre personne me boit plus vite que moi. Il me reste un peu de la première bière. Ah, c'est vrai que mais elle va être chaude. Mais si tu veux... Oh, ça, c'est pas grave. Regarde. Écoute, mais sinon... Attends, je vais finir ça pour... Go, Rolly. Mais fais le pour. Ouais, vas-y. Moi, je suis là en train d'attendre comme un cave. OK. Et il ne faut pas oublier non plus que chaque expression que je vous donne a beaucoup plus d'impact avec l'accent québécois, bien évidemment. Donc, bien évidemment, je veux, Tania, que tu répètes cette expression en québécois et que tu me dises... Non, mais tu la répètes avec ton petit accent québécois charmant que tu connais bien. Et tu me dis ce que ta définition, selon toi. Et la première, qui est d'ailleurs une de mes préférées, se pacter la fraise. Se pacter la fraise. Pacter la fraise. Se pacter la fraise. C'est terrible, à chaque fois que je veux imaginer l'accent québécois, je imiter l'accent québécois, je fais l'accent belge. Je pacter la fraise, ça veut dire quoi? Pacter la fraise, Tania. Est-ce que ça veut dire se faire péter le cul par... Non, se taper le cul par... C'est sûr que Tania va penser au sexe en premier. Ça, c'est la ça veut dire que c'est dans le cul, ça, non? C'est pas ça. Bon, ok, parfait. Tu te fais péter le cul. Mais c'était pas ça que je voulais dire, c'était se taper le cul par terre, j'en rigolais fort.
Ah! Mais tu sais quoi? C'est intéressant. Ton instinct est quand même relativement bien. C'est pas ça que ça veut dire, mais on aurait pu croire que c'est ça, oui. Spacter la fraise, la phrase. Moi, j'ai jamais entendu spacter la fraise. Si je te dis, Tania, hey, ce soir, on va sortir et on va aller spacter la fraise. Ah, on va se bourrer la gueule. Ah, voilà! Piu, piu, piu! Attends, je crois que je vais avoir un jingle là-dessus. Eh bien oui, je sais pas pourquoi on a choisi la fraise pour se pacter en douceur, mais se pacter la fraise veut dire se bourrer la gueule, boire beaucoup d'alcool, faire la fête en fait. On va se pacter la fraise! Alright! Prochaine expression, elle est très rigolo. Je ne crois pas que Paul la connaît non plus, et ça me fait rire juste la prononcer, j'ai hâte de t'entendre la prononcer. Spogner le bacon. Spogner le bacon? Spogner le bacon. Je sais que ce pogner, ça peut être ce pécho, mais ce pogner, ça peut vouloir dire plein de choses. D'accord, mais du moins, t'as peut-être la moitié de l'expression déjà dans... Donc, spogner le bacon, ça serait pas genre... enfin, non. Mais tout est sexuel dans sa tête, à Tania, ça a pas d'allure. C'est pogner le bacon, c'est ça à mettre dans le cul, non? C'était le mouvement. Bah, elle non plus, c'est parfait. En plus, elle rote en même temps. Spogner le bacon, c'est se mettre dans le cul. Pardon. C'est pas... Ah non, parce que... Attends, j'ai roté en live, je l'ai dit. J'ai pas roté, je crois que c'était un bruit de me... J'ai pas roté cette fois. Ou alors je m'en suis pas rendu. Ah, ça me fait rire. Non, mais c'est parce qu'en fait, j'ai fait ce mouvement, c'était vers la bouche et c'était pas ça. Spogner le bacon, je me suis dit, c'était peut-être se branler. Ben, c'est pas loin, peut-être, c'est spogner un truc, oui, le bacon, qui peut être similaire à notre verge, mais si on y va un peu plus en douceur, en fait, spogner le bacon, c'est se branler la nouille, c'est glander, c'est rien faire, tu fais tellement rien que tu pognes le bacon, t'as les deux mains sur ton bacon, donc c'était bien, mais c'est tout simplement pour dire qu'on fait rien, on est en train de glander, on attend, me pogne le bacon, okay. Tu pognes le bacon au boulot. Ok. Ouais, ok, les gens, ouais, se toucher la nouille, apparemment on dit en français, ça existe en français, se toucher la nouille. Moi je pensais qu'on disait se branler la nouille, je pensais. Se branler la nouille. On peut dire se branler la nouille, mais je crois que on se dit se toucher. Mais pourquoi tu ris encore? Mais c'est parce que c'était juste le ah, c'est pas. Ah, mais je t'ai entendu roter en même temps. Mais c'est fou. Sébastien Tremblay, merci Sébastien Tremblay. La fraise, dans la première expression, veut dire le visage. Si on regarde la fraise, ça peut avoir la forme d'un visage. Donc, spacter la fraise, c'est spacter le visage. Oh, Sébastien Tremblay ne serait-il pas québécois? Bah, avec un nom de famille pareil, Sébastien Tremblay. Sébastien Tremblay du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il est pas belge, hein. Ouais, je m'appelle Sébastien Tremblay. Tu es une poutine. Oh. Surtout pas asiatique. Sébastien Tremblay. Je pense pas que c'est ça. On va se faire... Bon. Rolly's cancelled. Prochaine expression, dernière. Et la dernière. Ouais. Ou l'avant-dernière, ça dépend. Lâche pas la patate, Tania. Lâche pas la patate? Lâche pas la patate. Ça veut dire se mettre dans le cul encore, c'est ça? Non? Non, mais attends, t'as dit lâche ou mâche pas la patate? Lâche. Ah, ne lâche pas. Ben, en québécois, lâche pas. Lâche pas la patate. Lâche pas la patate, c'est ta patate à toi, tu vas la prendre. C'est ton affaire à toi. Lâche pas l'affaire. D'accord. Donc, lâche pas ton truc. Non, quand je dis lâche pas l'affaire, c'est genre toi t'as envie de devenir un chef d'entreprise et quelqu'un va te dire non, t'es qu'une merde, tu seras jamais chef d'entreprise. Et là, je vais venir en te disant lâche pas l'affaire, tu peux être chef d'entreprise. Oui, voilà, c'est exactement ça. Avec un peu d'espoir, c'est tenir bon, continue, tiens bon, n'abandonne pas, tu vas l'avoir. Bravo, Tania. Et il y avait aucune connotation sexuelle là-dedans. Parfait. Mais dans les autres, non, c'était une erreur. Enfin, la deuxième, non, je pensais vraiment que c'était se branler. Mais la première, quand je disais, je voulais pas dire se faire péter le cul, je voulais vraiment dire se taper le cul par terre, qui est une expression française. Ça veut dire quoi? C'est vrai, je suis d'accord. Ça veut dire rire. Je me tape le cul par terre, c'est genre je rigole beaucoup, quoi. Mais c'est ça qui est drôle, c'est que.
T'as pas tort. En fait, chaque expression que j'ai dit peut avoir quand même une connotation sexuelle de par la bouffe, en fait. Mais ouais. D'ailleurs, je vais faire une dernière. Je vais en faire une dernière. Elle me fait rire, justement, pour cette fausse connotation, mais je te l'envoie. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une montée de lait? Ah ben, avoir une montée de lait. Ah ben, moi, je connais bien cette expression, vu que j'ai eu un bébé... récemment. Bah, mais je sais, à mon avis, il y a forcément un double sens au Québec. Bah ouais, parce que nous, on l'utilise de tu allaites et des fois. Tu vas refaire. Mais sinon. Puis ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire une montée de lait physique. Ouais, c'est que t'as une montée de lait et donc du coup, tu peux nourrir ton bébé. Là, c'est pas ça? Non, c'est pas ça. Alors, c'est quelqu'un qui est énervé. Là, j'ai une montée de lait. C'est exactement ça, Tania. T'es de mauvaise humeur, t'es agacé, t'es énervé. Tania, you're on fucking fire. Because I feel when like you don't think about sex, you're Quebec. On fire. I'm gonna c'est live exactement in Quebec. Ça. Mais ben oui, il vient. You know I'm not for Paris, no. 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 Moi, je suis plus ce pogné le bacon, là. T'as dégoûté de parler anglais. Mais non, mais parce que j'adore les gens qui font des têtes comme ça, qui exagèrent tout le temps. No! I wanna live in Québec! Not Paris! Ben viens-t'en au Québec, calice! C'est vrai que G.I. Travis, elle a lu les commentaires, parce que c'est vrai que c'était en commentaire. T'as lu les commentaires? Ah non, j'ai pas lu les commentaires. Ah non, d'accord. Non, parce qu'ils mais ont non, dit je suis énervé, et puis moi j'ai lu ah, je suis énervé, et tout de suite tu l'as dit après. Donc, Ah non, alors je jure... Bravo, oui Sylvie, bravo Sylvie. La moutarde me monte au nez, c'est l'équivalent en fait. Si tu vas plus proche de la caméra, ils t'entendent pas mieux parce que le micro il est là en fait. Non mais c'était pour que vraiment on se voit les yeux dans les yeux. Non mais c'était pour qu'on se voit les yeux dans les yeux, tu vois que je sois. Mais sinon tu peux prendre le micro et tu peux faire hey les esties, tu vois. Ah non je ne dirais pas les esties, c'est très mal poli. Ouais. Hey boy. Mais tu sais tu peux le ramener. C'est doux ici ça. Les. Je ne non. Pour vrai, je pensais qu'elle allait faire un rot de proche. Non, mais pour de vrai. Non, non, vraiment, je vous jure, je n'ai pas lu les commentaires. J'ai trouvé toute seule. Parce que le Québec. Je l'ai vu, je l'ai checké, elle a pas lu les commentaires. Ben non, mais je ne te regardais que toi, Rolly. Je n'avais Dieu que pour toi. Ben, tu vois, je voilà, n'avais Dieu que pour toi, que... ça veut dire quoi? C'est pas n'oublie c'est pas une chanson ça. J'ai des yeux que deux pour ça veut dire quoi? J'ai des yeux que deux pour toi. Ah donc au Québec vous l'utilisez pas? Bah ben, je crois qu'on l'entend dans la petite musique française, c'est quelque chose de romantique, non? J'ai des yeux que deux ben, pour toi. Et ben j'ai des yeux que pour toi ça veut dire je vois que toi, il y a personne d'autre. Ah mais c'est gentil ça. Deux. Non, je n'ai Dieu que pour toi. Ah je n'ai Dieu, I've eyes only for you. OK. Ouais. Right. Non, mais je n'ai Dieu, genre D apostrophe. Y-E-U-X. Ouais. Ouais. Je n'ai Dieu. Yeah, I've only got eyes for you. Moi, j'ai entendu... Au Québec, ouais. Au Québec, on dit « Je ne me calisse pas de toi ». C'est tellement pas romantique. « Je n'ai des yeux que pour toi. Hein, » au Québec, « Je ne me calisse pas de toi. » le romantisme québécois. Oula! Oh, j'en peux plus. Je m'en calisse pas de toi! Je me calisse pas de toi! Je m'en calisse pas de toi! Je me calisse pas de toi! Je t'aime, bébé! Oh, j'ai envie de redoubler tout ça, genre, tu sais, le film Titanic où Rose and Jack. Hey, je m'en calisse pas de toi, esti! Hey, Paul, sérieux? On le fait! On le fait. Moi, je prends la voix de DiCaprio en québécois. Toi, t'es la voix de l'autre Rose en français ou en anglais ou peu importe. Et moi, je réponds juste en québécois. Et toi, tu réponds en français? Mais je m'en calisse pas de toi. Va-t'en pas tout de suite. Oh, oh my God. Hey, veux-tu cracher avec moi? Tu crois? Rien de romantique dans ce film. Le Titanic en québécois, c'est rien de romantique, là. C'est juste, là, on dirait qu'ils s'engueulent tout le long, en fait. Oh là 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 là!
Tu le dis des fois à ta blonde, je m'en calisse pas de toi. Je t'aime chérie, ou genre un truc du genre, non, je me calisse pas de toi, va-t'en pas là. C'est en anglais, non, on dit, oh, did he say the three magic words? You're like, oh, the three magic words, I love you. Oh my god, vous c'est, hey, t'as-tu dit les quatre mots magiques, m'en calisse pas de toi. Oh boy. En fait, la fille dit au mec, non mais tu te crisses de moi. Non, je me calisse pas de toi. C'est un échange de sacre. Tu te crisses de moi. Non, je me calisse pas de toi. Oh, anyways, bah, écoute, n'importe quand. Suivez Rolly sur Instagram @RollyAsal. Il y avait un challenge, Rolly, pour tes 3000 followers. T'es maintenant à 3043. Donc, les gens, ils vont suggérer des choses dans... Ouais, je veux des suggestions. J'en ai pas eu. J'ai pas eu de suggestions. Dans les commentaires de cette vidéo, pas dans le live chat maintenant, mais une fois que la vidéo est live dans 5 minutes quand elle est fermée, dans les commentaires, mettez ce que Rolly doit faire pour ses 3000. T'as des idées, toi, ce qu'il devrait faire comme gage pour ses 3000 followers? De vraiment faire une vidéo Titanic et que je m'en colle. Elle est tellement blasée là, avec ses 125 000 followers, bah du coup 3 000, bah il pouvait. Ah, mais je peux du tout 125 000 followers. Non, mais sinon, tu peux faire une vidéo caméra cachée dans les rues de Montréal en allant voir des femmes en disant je m'en colle, spot toi. Salut, ça va bien? Bien oui, toi? Hey, je veux juste te dire que je me colle, spot toi. En fait, ils vont trouver ça romantique, en fait. Ils vont faire « Oh, tu te calisses pas de moi, mais c'est gentil, on se connaît pas, mais c'est gentil. » Je pense que ça vaut la peine d'essayer, en fait. « Hey, salut, oui, en fait, je veux juste te dire que je me calisse pas de toi. » OK. Merci. Bah, non, mais peut-être que là-bas, c'est que pour nous, en fait. Peut-être que ça va être drôle, oui, mais ouais. Moi, ça me fait trop rire. Hein. Ouais, de ouf. On va faire ça. Je te garantis que quelqu'un va me dire merci. Je te garantis que quelqu'un... Tu sais quoi? Quand tu viendras merci. À Paris, on fera cette vidéo caméra cachée ensemble. Ah, c'est sûr. OK, on garde ça pour Paris, mais ça va être drôle, on fait ça. On va faire ça à Paris. OK, allez. Et mais en fait, je le dis en québécois. Je le dis en québécois, je regarde la personne agir. Toi, la prochaine personne, tu le dis à la française, puis on regarde quelle réaction fonctionne, en fait. OK. Faudrait que toi, tu le fasses en québécois à Paris. Avec ton accent pourri québécois. Je m'en calisse pas de toi. Ouais, et carrément. La caméra. Attends, regarde. Je m'en calisse pas de toi. Ben, moi aussi, Tania. Je m'en calisse pas de toi. Bon, allez, on fait ça. On se fait un check digital. Ouais. Rolly, merci. Plaisir, c'est vraiment cool. C'était fucking drôle, l'esti. On se parle bientôt, j'espère. Yes. Dans une couple de jours. Non, une couple de jours, on s'écrire. Parce que je me calisse pas de toi. N'oublie pas. All right, Rolly, thanks very much. À bientôt. Ciao, merci pour tout. Bye, bisous, bye. Instagram. Oui, oui, toujours, on s'écrit. Bye. Bisous, Rolly. Mais il était déjà parti. Ouais, mais c'est lui qui s'est auto-callissé. Callis. Oh, man. Oh. C'était drôle. Je m'en callis pas de toi. On m'en callis pas de toi, là. cette expression. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, bon, c'est la fin de la première partie de ce live. Il reste des cocktails dans le verre, donc on va faire un cocktail, mais ce sera pour les gens sur Patreon. Comme j'ai dit au début du live, si vous avez raté tout le début, patreon.com/PaulTaylor, c'est toujours la deuxième partie du live. Pas juste ce live-là, mais tous les lives précédents que j'ai faits et tous les prochains vont être disponibles là-dessus. Les gars, sur Patreon, on vous voit dans 5 minutes, le temps d'aller faire pipi. Urinate. It's a urinate. Et on se voit dans 5 minutes, Patreon. Pour les autres gens qui ne nous suivaient pas, qui ne sont pas sur Patreon, Tania Dutel, où est-ce qu'on peut te trouver? C'est quoi ton truc le plus... Où les gens pour te trouver? Instagram, TikTok, Facebook. Non, Facebook, on annule Facebook. C'est là où j'ai le plus d'abonnés, mais ça marche pas. Mais c'est Tania Dutel. Tania Dutel, ouais. That's the Instagram, Tania Dutel. Cette photo avec le masque. Ouais. Ah. Bah, tu sais, c'était pour l'émission 60. Et du coup, pour les meufs, ils nous mettaient ça pour pas abîmer le maquillage. Ah ouais? Ouais. Bah, c'est cool. C'est sympa ça, ils ont pensé à vous. Ouais. Tania Dutel, oh shit, hold on.
Tania Dutel, Instagram, fucking TikTok, fucking YouTube. T'es sur YouTube ou pas? T'as des trucs of sur YouTube? Of course, I'm sur, on YouTube. Oh, of course. Et en live quand tu, quand on remonte sur scène, en fait. Mm-hmm. Ah bah oui, oui, on aimerait bien, oui. Mais oui, oui, je vais. Oui, je m'arrange. Tu vas faire ta face. Je vais t'essayer de faire la tête. On s'en calisse pas de vous. On s'en calisse pas de vous, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs. Merci d'être là pour la première partie. La deuxième partie, on se retrouve dans quelques minutes sur patreon.com/PaulTaylor. Et pour ceux qui ne nous rejoignent pas, bah, la semaine prochaine, ou pas, mais toutes les lundis, putain, je parle québécois, toutes les lundis à 20h, nouveau guest, nouvelle boisson, nouvelle question de vous. Thanks very much. Do you want to say, je te laisse faire le sign out, le... Je sais pas, tu dis merci, au revoir, je sais pas. Merci d'avoir regardé, et je vais le redire parce que je m'en remettrai jamais, c'est vraiment, on sent encore les spots de vous. Oh, you've got something interesting to say, do you? No, go on. I fucked up the jingle, c'était pas le bon jingle. Refais-le. Ah, donc on est encore en live? Ouais, c'est parce que j'ai... Imagine si j'avais pété. les roses, c'était la première partie, les pères, c'est pour la deuxième. Il faut payer pour me voir péter. Non, je peux pas. Go, refais okay. La fin et puis je fais le jingle de fin. I'm going to do it in English. Yeah, go on, do it in English. The outro. All right, so thank you for watching us, and you can see us for the second part on patreon.com with Paul Taylor, and we don't call this for you. And with what? Oh, we don't call this for you. On s'en calisse pas de vous. We don't. I need an end. Dis-moi une phrase de fin. Juste parce que je... À tout de suite. Mais qu'est-ce que tu veux? Je sais pas. J'ai aucune idée. Enfin, ok. Ladies and gentlemen, on se voit sur Patreon dans 5 minutes. Et on s'en calisse pas de vous. Thanks for watching Paul Taylor's Happy Hour Live. See you dickhead soon for another episode.